Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. L'actualité est très riche en éducation pour les mois de septembre et d'octobre. En effet, au cours de ces deux mois, on a enregistré plein d'événements, la rentrée scolaire par ici, la célébration de la journée mondiale des enseignants autour du thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants », la célébration de la journée internationale de la fille et des rencontres au plan national et international sur l'éducation. Vous comprenez que nous allons démarrer spécialement cette émission par la rubrique « Actu éducation » après ce jour. Les mois de septembre et d'octobre ont été marqués par des événements éducatifs. Nous allons commencer naturellement par la rentrée scolaire qui était très très attendue, qui a été très apaisée. Et nous espérons que eh bien, tout se passera de la bonne manière pour que les acteurs de l'éducation fassent ce qui leur revient pour un bon aboutissement de la rentrée scolaire. Et on a vu à travers les reportages, tout le gouvernement à partir du Premier ministre avec tous les ministres qui sont allés constater la rentrée scolaire dans plusieurs écoles du Togo. Et les enfants handicapés ne sont pas du reste. Le ministre d'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat a dépêché le secrétaire général, le directeur de cabinet et le secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation pour aller constater la rentrée à Efata. Efata, c'est l'école des enfants malentendants, eh bien, à Didiolé. Nous allons suivre les images. Il reste soucieux et très attentif aux questions de l'éducation et de l'éducation. Et en ce sens, il est bien de faire l'effort pour apporter tout son soutien aux écoles spécialisées qui accueillent les écoliers en situation de handicap. Nous voulons sincèrement dire merci parce que ce matin nous sommes très fiers, honorés de voir la délégation ministérielle dans notre école. Nous sommes très contents et nous voulons dire un sincère merci à cette délégation et au travers de cette délégation au ministre des enseignements primaires et secondaires qui a pensé aux personnes handicapées et à l'éducation inclusive. Et nous voulons dire que nous sommes contents et nous voulons aussi travailler pour le développement de notre pays le Togo. Vous savez que les organisations de la société civile actives dans le domaine de l'éducation qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de leur plan sectoriel de l'éducation, eh bien, se sont constituées en coalition. Et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a pris part à Accra, eh bien, au cours du mois de septembre, à une rencontre internationale. Et nous allons suivre quelques interventions des participants. Ça a été l'occasion pour nous de rencontrer des partenaires qui œuvrent en faveur de l'éducation sur quasiment l'étendue de l'Afrique et de découvrir ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain pour avancer les causes de l'éducation. Aujourd'hui est un jour assez spécial puisque nous célébrons la Journée internationale de l'alphabétisation. Donc c'est un plaisir pour moi d'être à ce carrefour et d'apprendre de nouvelles choses qui sont en train d'être faites
pour soutenir l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Et donc, j'envoie mes salutations et mes pensées à toutes ces populations qui, pour des raisons ou d'autres, ont été exclues du système éducatif. Et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons continuer à travailler pour leur donner une seconde chance de réintégrer soit le système ou bien d'avoir la possibilité d'être réinsérés de manière socio-professionnelle. La rencontre d'Accra, est-ce qu'elle s'imposait? Oui, je pense que c'était vraiment important de se réunir et de pouvoir partager les expériences. Et la leçon que je retiens, c'est que pour faire du plaidoyer, il est toujours important de constituer une force, de se mettre en signe, de conjuguer les efforts pour pouvoir porter plus fort le plaidoyer. Les gens, les bénéficiaires de OC1, pour la plupart, se connaissent, et de OC2 également, mais par contre ceux de OC3, ce n'était pas gagné. Et donc je pense que ce genre de rencontres doivent continuer, que ce soit de façon virtuelle ou bien en présentiel, pour pouvoir partager les expériences et pouvoir créer d'autres opportunités. Au plan national, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a réuni les élus locaux des commissions éducation de Tanduaré 1, Doufelgou 2, Tchamba 1, Assoli 1. Et ils étaient 5 de part commune. Ils ont été réunis pour poursuivre le renforcement des capacités qui leur avaient été données depuis 2020. Parce que depuis 2020, la coalition a renforcé la capacité de ces élus locaux des commissions éducation pour qu'ils puissent bien faire le travail. Et la toute première formation a porté sur la mission éducative d'une commune. Après, ils ont été renforcés sur la planification budgétaire. Et cette fois-ci, c'est comment rendre leur planification sensible à l'inclusion et aux gens. C'est à Cara que l'événement s'est déroulé. Nous allons voir un peu les images. Nous arrêtons là pour Actu Éducation. On va retrouver nos invités dans un instant pour débat thématique. Nous sommes sur ce plateau avec deux responsables du bureau national de la FESEN. La FESEN, c'est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale. De ma gauche vers ma droite, Madame Anson Sitiopé, épouse Glocor. Elle est secrétaire générale aux affaires extérieures de la FESEN. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Voilà. Pour l'invitation. Tout à fait. Et à ma droite, M. Laurier Akile Esso, il est le secrétaire général adjoint de la FESEN. Monsieur le secrétaire général adjoint, bonsoir. Bonsoir, monsieur Masserte. Et merci. Mmh. Le monde entier a célébré le 5 octobre dernier la journée mondiale des enseignants autour du thème La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Avant qu'on rentre dans le thème, eh bien, nous allons voir comment vous avez chanté l'hymne des travailleurs. Oui. Alors, allons-y. Travailleurs togolais, marchons fièrement, remplis de vaillance comme régiment. Nous sommes des hommes, quoi que pour les terres, montrant que nous sommes l'espoir du pays. Nous sommes fort unis, toujours solidaires, pour notre bien-être et la paix. Dans le Togo entier, nous irons de l'avant. En avant, tous en avant. Oh, 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 oh. Yeah.
rentrer dans l'ambiance comme ça de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. Alors, le thème cette année, tel que affiché sur le petit écran, la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Alors, pour vous, en tant que responsables syndicaux, eh bien, que symbolise la Journée mondiale des enseignants pour vous? Je commence par Madame Ansop. Merci beaucoup. Disons que la Journée mondiale des enseignants est un heureux événement pour tous les enseignants. Et c'est une reconnaissance, nous allons dire, de l'apport, la participation utile de l'enseignant dans l'édification du monde entier. Et c'est un symbole fort pour amener tous les enseignants à prendre conscience de leur rôle qui est reconnu partout dans le monde. Tout à fait. Vous avez un complément? Oui, j'allais ajouter réellement, les enseignants sont les acteurs de première ligne du changement. Lorsqu'on parle de la transformation, nous comprenons par là un changement et ça doit passer avec les enseignants. Voilà. Ce que nous retenons aussi, c'est que quand on parle enseignants, il y a les enseignants de tous ordres et les enseignants itinérants aussi, ceux qui appuient les enseignants des classes qui ont des enfants handicapés, par exemple. Oui. Voilà. Il y a aussi ceux-là qui font partie, donc tous ce sont des enseignants. Et nous remercions chacun pour le travail qui est en train de se faire pour que notre éducation soit de qualité. Alors, vous avez célébré donc le 5 octobre dernier la Journée mondiale des enseignants. Et on va suivre l'extrait du secrétaire général fédéral de la FESEN, M. Moussimé. On va le suivre dans ce petit extrait. C'est la Journée mondiale des enseignants. L'ambiance est festive, mais les débats ne manquent pas. La Fédération des syndicats de l'éducation nationale porte un message fort. Il faut que chaque enseignant, où qu'il soit, se mette à l'œuvre pour se surpasser et faire un travail convenable, un travail digne, un travail qui l'honore, tout en oubliant, hein, quoi que peu, hein, les récompenses. Je ne dis pas qu'on doit travailler sans être récompensé, mais il ne faut pas qu'on privilégie les récompenses avant le travail. Le thème de la célébration en dit long. L'occasion s'y prête pour la FESEN de porter haut sa voix pour que l'État investisse davantage dans la formation des enseignants. Voilà, merci Monsieur le secrétaire général fédéral. Et la célébration de la Journée mondiale des enseignants coïncide avec la rentrée scolaire. Alors, comment l'événement a été perçu par les syndicats d'enseignants? Oui, la rentrée scolaire a été effective. Et nous saluons tous les acteurs, plus précisément les enseignants, et l'autorité aussi qui a pris aussi des dispositions à temps pour faire d'abord une rentrée administrative et pédagogique le 19, afin de prendre des mesures idoines pour affronter effectivement la rentrée le 26 septembre 2022. Alors, est-ce que c'est une innovation, la rentrée administrative, la rentrée pédagogique, c'est une innovation ou bien ça se faisait depuis? Il y a de cela 3 ans que cette situation a commencé, et donc permettant alors aux enseignants de pouvoir régler certains facteurs de recrutement des enfants, les inscriptions des enfants, la répartition des salles de classe, l'établissement des tableaux de service afin de commencer réellement les activités le premier jour de la rentrée académique. Alors, est-ce que ça a été bien perçu, ça a été bien approprié par vos membres, les enseignants? Est-ce qu'ils ont apprécié cette nouvelle méthode de démarrage de la rentrée? Oui, très, très salutaire pour nos membres, puisque depuis ce temps, et ce que nous savions aussi, les mouvements aussi, les affectations ont été faites à temps,
alors permettant à chacun de pouvoir retrouver son poste avant le jour de la rentrée académique. Donc c'est salutaire, c'est bien perçu par tout le monde et actuellement c'est rentré dans les mœurs. C'est ça. Madame Anson, nous allons parler des défis des syndicats d'enseignants. Oui. Voilà. Et en interne, au niveau de vos organisations, en tant que membre, quels sont les défis en interne au niveau des syndicats d'enseignants d'abord? Oui. On va parler aussi des défis éducatifs à la suite de votre réponse. Oui, en tant que membre syndicaliste, les défis que nous avons en interne et que nous résolvons en interne concernent l'information et la formation et la professionnalisation de tous les membres à qui appartiennent à la FESEN. Pour qu'ils puissent travailler professionnellement. Professionnellement et qu'ils soient efficaces et dans leur service. Voilà, ce qu'on a constaté aussi au niveau des syndicats, en tout cas les enseignants qui sont membres des syndicats, ce n'est pas seulement au Togo ce que nous disons. Hein. Ouais. Voilà, on constate que les gens sont membres des syndicats, mais ils ne maîtrisent même pas les tests de leur organisation, encore moins les tests même de la fonction publique. Oui, nous déplorons vraiment cette situation. Et normalement, lorsque vous êtes engagé, vous devez faire partie en même temps d'un syndicat. Moi, je considère tous les métiers comme un village. Lorsque vous rentrez dans le village, vous devez faire connaissance de comment les gens vivent dans ce secteur. Et on ne peut pas arriver à le faire sans se syndiquer. Donc, dès qu'on entre dans un service sans être inscrit dans un syndicat, on n'a pas les approches pour pouvoir bien travailler. C'est selon moi. Et donc, quand les collègues refusent d'adhérer au syndicat, ils doivent savoir que c'est vraiment un mauvais choix de leur part. Parce que tout ce qui se passe dans le domaine doit se faire en collaboration avec les autres. Et c'est ce que moi j'ai vu et c'est pour ça que j'ai intégré le syndicat. Très bien. Alors, Monsieur Lauria Clesson, vous êtes le secrétaire général adjoint de la FESEN. Qu'est-ce que vous faites à l'endroit de vos membres pour vraiment relever ce défi de connaissance, d'appropriation des tests pour que les gens agissent en fonction des tests et non qu'ils posent des actes qui sont contraires aux principes qui même régissent le fonctionnement des syndicats? Merci beaucoup. Nous naissons savoir que l'une des missions d'un syndicat, c'est la formation de ses membres. C'est ainsi que notre fédération, la FESEN, en collaboration avec ses partenaires, forme toujours les membres, mais pas totalement vu les moyens limités. C'est-à-dire que chaque vacance, il y a un certain nombre qui est formé. Et ce nombre, normalement, devait alors dupliquer à leur retour auprès de leur père. C'est ce qu'on a constaté, que ça ne se fait pas, mais nous sommes en train de s'atteler pour ça. On forme les tout premiers responsables qui sont les secrétaires préfectoraux de la FESEN, qui vont relayer maintenant les informations à leur base. Et jusque-là, c'est vrai, ce n'est pas suffisant. Nous sommes en train de nous atteler. Il y a une idée qui est en train de naître par rapport à la formation ouvrière. Et si, effectivement, nous avons un appui, on va embraser maintenant tout un nombre important de nos membres pour ne pas vraiment tomber dans les dérives, puisque faire le syndicalisme, il faut connaître quand même les béaba de fondement d'un syndicat. Tout à fait. Alors, oui, madame. Je voudrais ajouter que si le secrétaire général adjoint dit que c'est insuffisant, c'est parce que cette formation outre-mer qu'organise la FESEN se fait seulement dans les matières scientifiques. Il faut que ça couvre les autres matières. Toutes les autres matières. C'est pour que vous soyez en phase avec les réformes engagées par le ministre. C'est ça. Donc c'est pour cela que nous disons que c'est vraiment insuffisant et nous attendons des appuis. Voilà. Merci. Aujourd'hui, vous avez une possibilité de couvrir quand même un nombre plus important dans la mesure où beaucoup de formations se font aujourd'hui en ligne. Est-ce que cette piste-là est envisagée pour que vous puissiez toucher vraiment un nombre important d'enseignants de formation en ligne?
Disons que à nos formations, il y a toujours cette formation en ligne, ces utilisations des applications Zoom et autres là. Nous sommes formés en cela. Et est-ce que ce que moi je dirais, même si nous nous tournons vers ces applications là, est-ce que nos membres, tous nos membres, ont le nécessaire, ce qui veut dire les appareils pour pouvoir nous suivre. C'est pour cela qu'il faut penser un peu au regroupement avant de voir si on peut toujours le faire en ligne. Tout à fait. Merci. Vraiment, oui, il y a ça, comme on incorpore toujours cela dans nos formations, mais ce n'est pas tellement suffisant parce que l'initiation à l'informatique pose aussi un problème. Voilà. C'est le lieu maintenant d'appeler tous nos camarades, nos collègues, que l'auto-formation est nécessaire. D'abord en informatique. En informatique. Qu'on le veuille ou pas, c'est qu'on est dans ce schéma. Ah ouais. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est qu'en ligne, ce n'est que par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Rien n'est, le physique n'arrive plus. C'est ça. Donc nous devons nous adapter au changement. Tout à fait. Et donc faire un effort. Et c'est le lieu aussi d'appeler aussi les collègues à s'adhérer massivement au syndicat. Puisque au sein de la FESEN, nous sommes 10 syndicats de base et moi je suis le secrétaire général du CELT pour le primaire et chaque été nous faisons nos formations en lien avec nos partenaires suisses. Au-delà de ça, après, c'est le renforcement des capacités de nos camarades. On profite pour parler un peu du syndicalisme et faire aussi cette formation à l'île. Vous avez aussi fait une communication dans le cadre de la célébration. Comment la communication a été perçue? Est-ce qu'elle a été bien appréciée par les participants? Très bien même, très bien appréciée. Voilà. Puisqu'il y a vraiment, le thème était tellement enrichissant. Ouais. Et il y a des notions que nous... Ça portait sur l'inclusion. Sur l'inclusion, oui. Sur l'inclusion. Et il y a des choses qui nous avaient échappé, ou qui nous échappaient dans notre mission d'éducateur. Donc ça a été édifié clairement. Et je pense que toute l'assistance était comblée de joie. Tout à fait. Chers invités, nous savons que le défi de la qualité de l'éducation est un défi qui incombe à tous, à partir des autorités qui donnent les orientations nécessaires. C'est pour ça même que l'actuel ministre a engagé plein de réformes pour que nous puissions tendre vers une éducation inclusive de qualité et résiliente. Et certains des défis, c'est la qualité de l'éducation, c'est l'équité et le genre en éducation, c'est l'inclusion, c'est le maintien aussi des filles et des enfants handicapés dans le système éducatif. Nous allons prendre les éléments un à un concernant la qualité des enseignements et les résultats scolaires attendus. Qu'est-ce que la FESEN compte faire de plus que ce qu'elle faisait avant, puisque vous avez parlé tout à l'heure des formations que vous faites avec des partenaires nationaux comme internationaux. Voilà. Et ça veut dire que les perspectives vous doivent logiquement vous amener à faire mieux et davantage. Okay. Merci beaucoup. Comme on le dit, un syndicaliste doit être avant tout un travailleur. Tout à fait. Avant de réclamer ses droits, il faut consentir à ses devoirs. Okay. C'est notre slogan au sein de la FESEN. Et que nous appelons toujours nos camarades pour un travail bien fait. Et c'est pour ça même qu'à cette rentrée, il y a beaucoup de formations qui ont été faites par le ministère à l'endroit des enseignants pour qu'ils soient vraiment efficaces sur le terrain. Qu'ils soient vraiment efficaces sur le terrain. C'est vrai qu'il y a eu des formations, mais nous allons toujours demander que ça soit mieux fait. C'est vrai que c'est dans la limite des moyens, ou bien le temps aussi accordé à ces formations sont pour moi insuffisants. C'est qu'il faut quand même qu'on profite des congés. C'est-à-dire que l'enseignant doit comprendre qu'il est régi par des lois de la fonction publique et chaque fonctionnaire a droit à un congé annuel d'un mois. Alors le reste du temps doit être consacré à des formations et c'est là que nous saluons l'État, c'est-à-dire que les plus hautes sommités de notre pays et surtout de l'éducation qui s'attellent toujours dans ces formations et on voudrait vraiment qu'on s'attelle mieux à ça. Donc la FESEN ne fait que renforcer la capacité de ses membres et appelle ses membres toujours à un travail bien fait. Voilà, pour que les résultats, on sente les bons résultats au niveau des élèves. Exactement. Tout à fait. Voilà, madame Anson, qualité de l'éducation, engagement des enseignants, équité genre, voilà, à l'école, quel est le travail que vos membres doivent logiquement faire?
Et nos membres, les syndicalistes, nos membres doivent en tout temps accompagner toutes les actions dans le domaine de l'équité genre. Et c'est vrai que... Est-ce que vous avez au sein de la FESEN une cellule genre? Si. Ou bien une section, je ne sais pas quelle est la dénomination que vous avez donnée dans l'organigramme de la FESEN? Oui, dans l'organigramme, il y a une cellule genre. Okay. Oui, nous avons un cercle pour les femmes et nous sommes appuyés par le RESAO, le réseau des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Nous luttons pour l'équité genre. Et il y a aussi chaque vacances des formations en ce sens pour nous, surtout au Ghana. Le problème de l'équité genre, c'est un problème actuellement, c'est un problème thématique. Parce que nous nous efforçons d'expliquer aux gens qu'est-ce que le genre. Bon, avec cette explication, c'est bon, mais il faut maintenant ajouter la thématique de pourquoi le genre. Parce que les gens doivent savoir pourquoi nous luttons pour que la femme ait une place dans la société. La société qui est de plus en plus avec une population féminine, une grande population féminine. Donc il faut arriver à mettre les femmes dans des dispositions pour prendre la relève. Et ces femmes-là constituent vraiment la survie future de l'humanité. Donc les gens ne comprennent pas, on pense qu'on veut faire le genre pour donner tout juste du pouvoir à la femme. Donc c'est quelque chose... Quand il y a une femme, il y a une femme dans une classe, qu'est-ce que ça représente pour la fille et même pour le garçon? Un modèle de réussite, oui. C'est quoi exactement? C'est ça. Elles sont premièrement contentes d'avoir, et même les garçons, contents d'avoir une enseignante femme. Donc c'est pour ça que nous aimerions que vraiment beaucoup de femmes embrassent ce métier pour que les filles aussi... Est-ce que dans le système éducatif, vous êtes satisfait de la représentativité des femmes à tous les niveaux, que ce soit au préscolaire, primaire, secondaire, enseignement technique, filière scientifique et même universitaire? Est-ce que vous êtes satisfait du pourcentage des femmes dans le corps enseignant aujourd'hui? Bon, je dirais non, parce que connaissant ce qui se passe sur le plan mondial, le Togo n'est pas encore très avancé en ça. Parce que si on prend les pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, c'est des pays où il y a plus de pourcentage de filles dans les matières scientifiques et dans l'enseignement supérieur qu'ici dans nos pays. Donc chez ceux-là, les pays maghrébins déjà, on a mis la femme devant. Et elles montrent leur efficacité. Voilà, elles deviennent un modèle, elles attirent, à part leur présence dans le corps, oui. Elles attirent aussi les filles, à se maintenir et à faire de belles performances. Et c'est ça, et ils ont la première place, même dans le monde, en ce qui concerne la fille. Oui, monsieur le secrétaire général adjoint, alors est-ce que c'est une piste de plaidoyer à l'endroit des autorités togolaises pour que dans le recrutement des enseignants, qu'on tienne compte de la représentativité des femmes? Oui, exactement. Et c'est vrai qu'entre-temps, même le pouvoir public avait décidé la parité dans le recrutement des enseignants, 50%, 50%. À l'ENI. Mais il est vrai. Mais ça a été abandonné très rapidement. Ça a été abandonné. Peut-être que c'est par rapport aussi aux performances, puisqu'on ne peut pas alors parler de gens sans parler aussi des potentialités. Voilà. Donc, il se pourrait, c'est à nous seuls qu'on nous encourageons. On a besoin des femmes capacitaires. Voilà. Exactement. Actuellement, l'État encourage beaucoup le genre féminin pour exceller. Donc, c'est aux camarades femmes de prendre aussi des décisions. Ce n'est pas qu'elles sont moins douées, non, mais c'est qu'elles se laissent faire. Sinon, elles n'ont qu'à prendre leurs responsabilités en main pour booster très loin. Et je suis tellement satisfait quand même. Satisfait, même si ce n'est pas
totalement, il y a quand même actuellement un nombre un peu élevé de femmes dans notre métier. C'est ça. Aujourd'hui, la question de l'accueil des enfants handicapés et de leur maintien se pose au niveau de beaucoup d'enseignants qui ne sont pas prêts à accueillir cette catégorie d'enfants. Est-ce que la présidente s'en préoccupe? Oui, effectivement. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Tout à fait. Alors, aucun enseignant ne devrait normalement refuser un enfant en situation de handicap. Mm-hmm. Peut-être c'est l'information, la sensibilisation qui manque à ce niveau. Nous avons parlé entre-temps de la formation. Quand la personne n'est pas formée, et on relègue à l'avant-plan les enfants vivant avec ou bien en situation avec comme argument qu'ils ne sont pas formés sur le braille, sur le langage gestuel, etc. Mais en attendant la formation, quand même, vous pouvez accepter leur insertion dans la société. Supposons que c'est l'enseignant lui-même qui faisait un enfant vivant avec un handicap. Il va refuser de le scolariser? Non, chaque enfant a droit à l'éducation et nous devons penser à ça pour accepter les enfants, tous les enfants, en attendant alors la formation. Puisque au départ, il y avait des écoles spécialisées, mais je pense que l'État a mieux réfléchi de les mettre ensemble avec les autres enfants, et ça permet maintenant de congé. Quand j'ai suivi certains enfants, ou un enfant malentendant, à côté d'un enfant qui... supposé normal. Supposé normal, mais... L'enfant supposé normal, en un rien de temps, commençait par parler aussi, faire aussi le langage gestuel. Donc c'est déjà des atouts qu'il faut cultiver. Et acceptons alors tous les enfants. Personne n'a décidé d'être avec handicap. C'est une décision divine. Et qu'on accepte tout ça en attendant que l'État fasse encore plus d'efforts dans la formation. Tout à fait. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Nous avons suivi... En tout cas, nous suivons de très près toutes les réformes engagées par l'actuel ministre d'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat. Et certaines des réformes touchent le corps enseignant, en tout cas la plupart. Voilà. Avec le code, par exemple, de conduite ici, alors la fusion des établissements, la répartition des enseignants selon leur temps de travail, on les met sur deux établissements, etc. Il y a beaucoup de réformes qui touchent les enseignants. Est-ce que lors de la célébration, vous avez discuté de toutes ces réformes pour voir leur pertinence et comment amener vos collègues à les accepter et à pouvoir accompagner le politique dans ce travail formidable de fond qui est en train de se faire? Bon, disons que pendant la journée, nous n'avons pas évoqué en tant que tel ces problèmes. Parce que, et ce sont des problèmes qui ne peuvent pas se discuter en quelques heures. Et surtout, nous qui sommes sur le terrain, le problème de double flux est vraiment fatigant pour l'enseignant. Cela, pour ça, il faut vraiment trouver une autre solution. Et les enseignants sur deux établissements aussi, on a commencé, mais nous ne savons pas comment cela sera. Donc, ce que nous allons demander à l'État, c'est essayer de mettre en place des infrastructures pour pouvoir accueillir les enfants. Et même là, si c'est à des heures normales, l'enseignement se passera et les résultats seront vraiment ce qu'on escomptait. Ok. Merci. Monsieur le secrétaire général. Oui. Les réformes engagées par l'État, c'est vrai. C'est-à-dire que comme ce n'était pas fait par rapport au temps passé, nous trouvons ça contraignant parce que nous sommes presque vraiment dérangés par ces réformes, mais c'est salutaire. Tout le monde doit comprendre que le monde change et nous devons évoluer aussi avec lui. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Mais ces réformes, par exemple la question de la réalité des aînés, le recrutement en nombre suffisant de corps d'encadrement, tout ça c'est tellement salutaire. Et nous profitons sincèrement de dire merci à notre ministère de tutelle pour ces réformes engagées. Mais peut-être c'est le rythme. Le rythme est...
trop vite que... Il est trop cadencé. Vraiment que... ça nous embête un peu. Voilà. Mais nous allons nous adapter. Mmh. Tout ce que nous prions, c'est qu'il faut mobiliser vraiment tous ceux dont nous avons besoin, nous les enseignants, pour vraiment déployer pleinement notre talent et notre vocation. Voilà, maintenant ce que je veux savoir, c'est vrai, les réformes sont engagées et puis les enseignants sur le terrain ne s'adaptent pas si facilement. Maintenant, est-ce que vous avez mis un dispositif pour recueillir leurs avis et pouvoir transmettre à l'autorité? Parce qu'il faut quand même cet échange-là entre vous et les autorités pour qu'ils voient dans quelle mesure apporter peut-être des mesures correctives pour faciliter l'appropriation et la mise en œuvre par les enseignants sur le terrain. Effectivement, c'est pourquoi nous avons nos antennes de relais par rapport à ce que nous appelons les sections préfectorales. Donc, qui doit recueillir les informations. Nous ne faisons rien au bureau fédéral sans demander l'avis de la base. Donc, tout ça, c'est une question de plaidoyer. C'est vrai que c'est l'autorité, comme on le dit, c'est le politique qui définit le profit du citoyen à former. Et nous sommes obligés de nous adapter à cette situation, mais nous allons aller vers l'autorité pour faire le plaidoyer, voir s'il n'y a pas certaines choses qu'il faut régler, s'il n'y a pas peut-être la programmation dans ces réformes pour que progressivement nous rentrons en pleine foulée dans le changement. C'est ça. Alors, Madame Anson, nous allons, en tout cas nous au niveau de l'émission Débat Éducation, oui. On va tendre le micro à vos collègues enseignants sur le terrain oui. pour recueillir leurs avis oui. et recevoir certains même sur le plateau oui. Pour qu'on puisse voir quelles sont leurs appréciations de toutes ces réformes oui. voilà, engagées pour corriger ce qui mérite de se corriger. Oui. Alors, il y a aussi que le problème de la condition enseignante est un problème aussi qui tient à cœur la FESEN comme tout autre syndicat oui. dans le monde, hein, ce n'est pas seulement au Togo. Oui, oui. Voilà. Et la question enseignante, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'à partir des réformes et autres, cette condition enseignante est en train de s'améliorer? Oui, je dirais oui, oui. Cette condition s'améliore. Elle s'améliore. Oui, elle s'améliore. Voilà. Et moi, je dirais que ce n'est pas seulement la jouissance des enseignants qu'il faut voir dans tout ça. Si on peut aussi améliorer un peu les conditions de travail aussi, ce serait encore mieux. Des enseignants ou bien du personnel administratif de l'éducation? Des élèves, c'est ce que moi je voudrais dire. En faisant quoi? Par exemple, nos effectifs pléthoriques là. Voilà, c'est de construire suffisamment de salles de classe. Oui. Mais est-ce que la construction, le modèle de construction ne pose vraiment pas problème? Parce que nous, on a eu la chance quand même d'aller dans certains pays, en dehors des écoles privées qui font une très bonne exploitation de l'espace, on est allé quand même dans certains pays, ils ont constaté que la construction en hauteur devrait logiquement être privilégiée, comme l'État même avait même déjà bien commencé. Vous prenez le lycée Tocouin, le lycée Bassa, le lycée Nassablé, lycée Siou, c'est des constructions à 3-4 niveaux. Alors pourquoi on continue de construire de façon horizontale et ça pose vraiment un problème? Oui, c'est ça. Donc nous serons, la condition enseignante sera vraiment meilleure si on voyait aussi ce côté des... Là, il faut inscrire ce point de plaidoyer. Hein, quand vous allez rencontrer les autorités, c'est ce modèle de construction que vous souhaitez. Oui. Ça va permettre de décongestionner les salles de classe. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pour ça. Donc, disons que la condition enseignante s'est améliorée, surtout avec, disons que lorsque nous savons que nous avons un statut particulier qui régit notre fonctionnement et qui nous donne un peu des choses dans l'avenir. Et nous sommes contents. Mais ce qui reste, c'est les applications qui n'ont pas encore commencé. Mais nous certaines applications ont commencé ou bien ça n'a pas du tout commencé. Je vais laisser ça. On va laisser au secrétaire général. Oui, oui, puisque nous voyons même par rapport, si nous en rentrons même peut-être dans les sanctions, même, on a souvent fait référence à notre statut particulier. Mais le côté pécunier pour le moment n'est pas encore fait. Mais nous espérons. Mais les 10 réformes du gouvernement couvrent quand même les enseignants aussi, non? Oui, non, ça couvre. Ça couvre tout le monde. Oui, exactement.
Effectivement. Donc quand même, le côté pécunier a commencé. Oui, mais comme je l'ai dit, vraiment, vous voulez que ça s'élève. Les enseignants sont les acteurs de première ligne. Ça, vraiment, dans le changement. Il faut qu'on les traite aussi avec tact. Avec, et que tout le monde considère l'enseignant, que tout le monde dise, je veux vraiment être enseignant. C'est ce que nous voulons. Voilà, la valorisation de ce corps. Il faut qu'on valorise. Voilà. Il faut la valorisation de ce corps. Comme Anson venait de le dire, il vaut mieux prendre des tests d'application. Les tests, c'est bien. Ce n'est pas les bons tests qui n'existent pas, ça existe, mais il faut leur application. Tout à fait. Et nous savons qu'avec notre ministre actuel, ça ne va pas tarder à être appliqué. Ouais, ouais. Il va faire aussi notre plaidoyer auprès de qui de droit. Alors, nous savons qu'il n'y a pas d'éducation sans parents d'élèves comme partenaires, sans organisation de la société civile comme partenaire. Alors, nous sommes à la rentrée, on a bouclé déjà presque 3 semaines. Alors, quelles sont vos attentes en tant que syndicat vis-à-vis des associations de parents d'élèves? Il y a l'Union Togolaise des associations de parents d'élèves, UTAP, qui a ses démembrements dans les écoles, les associations de parents d'élèves et les comités des parents d'élèves, etc., etc. Quelles sont vos attentes? J'ai une question pour madame. Voilà, tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Nous disons à la population que l'école est pour la communauté. Les enseignants ne sont que des pèlerins. D'un jour à l'autre, il va quitter d'un lieu à un autre. Qu'on prenne vraiment au sérieux le pilotage d'un établissement. Il faut des relations entre école et famille pour qu'on puisse vraiment mener à bien notre mission. Parce que l'enfant, lorsqu'il sait qu'il y a et des relations entre la famille et l'école, est obligé alors de se tenir, c'est qu'il se trouve entre le marteau et l'enclume. Donc il est obligé alors d'adopter de bons comportements. Parce qu'on sait qu'il est suivi, il est encadré, il doit faire extrêmement attention. Effectivement. Voilà. C'est ce que nous demandons. Et c'est la conscience que tout ce qui est, tout l'encadrement, tout ce qu'on lui reproche, ou tous les conseils qu'on lui donne, va dans son intérêt supérieur, il doit logiquement... Et se conformer. Vraiment. Nous prions vraiment aux parents de nous aider dans le suivi de leurs enfants. Puisque ça nous permet aussi, nous les enseignants, de prendre conscience par rapport à nos devoirs. Lorsqu'un parent fait le suivi régulier des activités menées à l'école, en classe, par les enseignants, s'il y a aussi du retard ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut aussi venir vers l'enseignant et qu'on discute pour voir comment alors régler le tir. Voilà. Alors, Madame Anson, effectivement, les parents vous attendez en tant qu'enseignant, en tant que syndicat d'enseignants, vous attendez beaucoup d'eux. Est-ce que, en tant que syndicat, vous avez de temps en temps, vous créez des cas d'échange avec les associations des parents d'élèves pour discuter avec eux? Je dirais que en réalité, non, on n'a pas encore commencé à faire ces activités. Oui. Okay. Mais ça s'impose, prenons, non? Oui, ça s'impose alors. C'est que nous prenons sur nous toujours, par exemple au lycée, d'intervenir dans les réunions de parents d'élèves pour informer les parents de surveiller des élèves. Ce que moi je leur propose souvent, c'est de participer avec l'enfant aux activités. Et lorsqu'on participe à ces activités avec l'enfant, on arrive par là à le connaître mieux, ce qui fait sa joie, ce qu'il veut cacher, etc. Donc c'est tout juste des conseils que nous donnons. Nous n'avons pas encore commencé ces activités ou ces convocation de réunion entre nous, non. La toute dernière question avant qu'on boucle cette émission, c'est vos attentes vis-à-vis des élèves, surtout filles. Surtout filles, parce que autour de la fille, c'est la question de grossesse, c'est la dépravation des mœurs, c'est en tout cas surtout les filles qui sont dans des villes. Voilà, on voit vraiment beaucoup de choses déplorables au niveau de ces filles. Et je crois que c'est à cette rentrée scolaire qu'en tant qu'enseignant et même syndicat d'enseignants, eh bien, vous avez probablement un appel à leur endroit. Nous essayons vraiment d'utiliser l'essentiel de notre temps, quand nous en avons, pour essayer de les
s'informer sur ce qui est bien. Nous leur montrons par exemple nos niveaux d'études, là où nous sommes, etc. Nous essayons d'être les exemples pour elles. Et surtout avec les problèmes de grossesse, nous essayons de créer des cellules de lutte contre ces grossesses-là. Et bon, c'est ce que nous pouvons faire parce que et elles viennent des milieux qui ont déjà laissé des préjudices dans la société. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. D'accord. Alors, M. le secrétaire général, ajoute. C'est vraiment un problème sérieux que nous devons prendre avec des pincettes. Ouais. Je demanderais qu'il faut vraiment une éducation sexuelle à nos jeunes filles. Et que le sujet ne soit pas tabou entre elles et leur famille. Et leur famille, que ça ne soit pas. Parce que nous avons compris que ce qu'on cherche à leur cacher aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Ah ouais. Ils découvrent tout là-bas. Donc il faut qu'on agisse sur leur conscience, qu'on leur donne les inconvénients et les avantages de leur évolution dans le cursus scolaire. C'est le lieu même, comme on le disait, et la présence parmi les enseignants du genre féminin est un atout, atout de sensibilisation, de travail. Il faut toujours causer, c'est-à-dire que faire des causeries, débats. Et je pense que c'est la même chose aussi pour la famille. Dans nos familles, nous ne devons plus considérer ce phénomène comme étant un tabou. Il faut sincèrement parler avec nos enfants et citer. Aujourd'hui, nous avons des dames ministres. Président de l'Assemblée nationale. Oui. Citer ces personnes en exemple pour motiver les jeunes filles à aller en ce sens. Et voir aussi les maladies aussi. C'est sûrement transmissible et on doit aussi les éduquer de temps en temps sur ça. Ils connaissent, mais c'est-à-dire que c'est comme. Ils ont autre définition même à donner même à ce genre de trucs. Donc il faut qu'on les canalise. Et je pense que avec la création même des établissements scientifiques où on encourage aussi la jeune fille, ça permettrait aussi de corriger certaines choses. Et surtout, moi je dis qu'aujourd'hui, les enseignants hommes ont pris conscience. Ont pris conscience dans ce domaine de harcèlement, puisqu'ils ne le font plus. Mais c'est entre les jeunes, entre eux. On a même donné les statistiques. Entre-temps, les statistiques ont démontré que la tendance a été renversée. C'est beaucoup plus leurs camarades, qui sont auteurs de grossesse sur les filles. Donc, les garçons aussi doivent être aussi sensibilisés sur les conséquences de ce acte. C'est tout ce qu'on pourrait faire à leur niveau pour leur amener progressivement. Donc, les parents aussi ont ce rôle. Ce rôle. Et ensemble, nous allons réussir. Parce que c'est eux qui seront les citoyens de demain. Tout à fait. C'est les citoyens de demain. Si on n'arrive pas à corriger, on n'arrive pas à faire l'utile, notre pays deviendra quoi? Tout à fait. Et ce n'est même pas notre pays seul, c'est le monde entier. Merci. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. C'est pour ça que nous avons jugé bon de vous poser ce genre de questions. Oui. Parce que l'enseignant, eh bien, il a un grand rôle si nous voulons que les enfants soient vraiment des enfants de valeur pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la communauté et pour la République. Alors, madame, nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission consacrée au thème de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Votre dernier mot. Bon, pour dernier mot, je vais dire que je vous remercie de m'avoir permis de venir ici aussi donner aussi quelques-unes de mes perspectives ou de mes opportunités pour l'enseignement. Et surtout, je voudrais exhorter tous les enseignants au travail bien fait. Tout à fait. Et leur dire de nous rejoindre dans les syndicats pour accomplir vraiment et s'épanouir comme il se doit dans leur métier. Okay. Ça. Vous enseignez quelle matière? J'enseigne le français. Au lycée? Au lycée technique à Didogomé. Tout à fait. Si je dois le et dans ta classe, dans ta matière, est-ce que les filles excellent dans ta matière? Disons que c'est un phénomène général à cause du manque de lecture. Les élèves ne lisent plus. Et que ce soit les filles, moi je considère mieux
Les garçons essaient mieux que les filles. Et comme on le disait, les filles s'occupent d'autres choses que de l'école actuellement. Ah, les filles, faites attention parce que on vous veut très haut, très loin. Voilà. Monsieur le secrétaire général adjoint, ouais. Voilà, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est le mot de remerciement aux autorités de notre pays qui ne ménagent aucun effort quand il s'agit de l'éducation. Et tout ce que peut-être je pose comme doléance, c'est de réactiver les formations initiales et continues. Voilà. Parce qu'il y a toujours des changements. Il faut renforcer alors les capacités des enseignants pour parler d'un enseignement de qualité. Ouais, même dans certains pays, on organise les universités de vacances. C'est-à-dire que, tel que vous le faites d'ailleurs avec votre partenaire canadien, en vacances, c'est l'État qui prend le devant et renforce les capacités des enseignants en une ou deux semaines. Voilà, en vacances, et ça couvre les enseignants sur tout le territoire. Et nous espérons que, bon, c'est un point de plaidoyer, nous espérons que le ministre qui est en train de nous suivre, eh bien, tiendra compte et verra dans la mesure du possible quand est-ce que ça pourrait être possible. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous disons merci. Merci à nos invités. Madame Anson, merci. Monsieur Laurier Aclesson, secrétaire général adjoint de la FESED, merci de votre présence sur ce plateau. Tout ce que vous avez partagé, ça a édifié beaucoup de téléspectateurs, les fidèles qui suivent cette émission. Nous sommes dans notre travail de chaque jour. Et nous espérons qu'un autre thème vous amènera encore sur ce plateau pour éclairer la lanterne. Alors, ceci dit, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bye. Bye. Bye.